mystique et prophétisme dans les correspondances, et pas la correspondance, les correspondances respectives de Hildegard de Bingen et de Catherine de Sienne. 200 années séparent la mort d'Hildegard de Bingen en 1179 et la mort de Catherine de Sienne en 1380. 200 ans, 1000 kilomètres, deux ères culturelles différentes. Pourtant, ces deux femmes ont des traits communs. Toutes les deux sont à leur manière visionnaires. Toutes les deux ont pris la parole en leur temps, ont élevé la voix, ont conseillé les plus hautes autorités politiques, religieuses de leur temps. Toutes les deux ont une abondante correspondance, plus de 300 lettres. C'est le corpus épistolaire d'Hildegard de Bingen qui est l'objet de ce colloque. Il m'a été demandé de présenter en vis-à-vis, en quelque sorte, le corpus épistolaire de Catherine de Sienne et de comparer un petit peu les personnalités et leur posture. Alors je vais commencer une première partie en relevant quelques similitudes mais aussi d'importantes différences entre ces deux ensembles de lettres. Leur nombre est très important, plus de 300 lettres. Pour Catherine de Sienne, c'est exactement 386 lettres qui ont été recueillies. 386 lettres. Les lettres d'Hildegard de Bingen, si j'ai bien compris, ont été écrites surtout entre 1146 et 1179, sa mort, pendant 33 ans. Les lettres de Catherine de Sienne ont été écrites, dictées, durant les 6 dernières années de sa vie beaucoup plus courte, et c'est ça une très grande différence entre les deux personnes. Catherine de Sienne est décédée alors à l'âge de 33 ans. Hildegard de Bingen a vécu 81 ans. Il y a un ensemble de lettres importantes chez Catherine de Sienne comme chez Hildegard de Bingen qui sont adressées à des personnalités qui ont exercé des fonctions de première importance dans la société, dans l'Église de leur temps. Catherine de Sienne a écrit un ensemble d'une centaine de lettres parmi les 386, une centaine de lettres à des personnalités importantes. Les papes Grégoire XI, 14 lettres, et Urbain VI, 9 lettres. Les lettres aux cardinaux et évêques, 19 lettres. Les lettres à diverses têtes couronnées, rois et reines, 13 lettres, beaucoup à la reine de Naples et 2 lettres au roi de France. 6 lettres à des hommes de guerre, responsables de troupes de guerre, et 40 lettres à des hommes politiques de Sienne, de Florence, de Luc ou de Pérouse. Ceci fait un ensemble d'une centaine de lettres à des hauts responsables dans la société et dans l'Église, un peu plus du quart du corpus. Mais la correspondance de Catherine de Sienne concerne également des laïcs, 180 lettres, des ecclésiastiques religieux et religieuses, une centaine de lettres. Et avec ces lettres aux laïcs et ces lettres aux religieux et religieuses, elles touchent pour les laïcs tous les métiers, toutes les situations familiales, et pour ce qui est des religieux et religieuses, beaucoup de familles religieuses différentes, dominicains bien sûr, puisqu'elle était dans la famille dominicaine comme membre du tiers ordre de Saint-Dominique,
mais également les bénédictins du Mont Olivet, les chartreux, les ermites de Saint-Augustin, de son entourage. Les deux ensembles se distinguent aussi par la langue utilisée, le latin pour ce qui concerne Hildegarde, l'italien de la Toscane du Moyen-Âge. C'est dans cette langue que les lettres ont été dictées par Catherine de Sienne à trois ou quatre principaux secrétaires qui étaient des lettrés, en particulier le siennois Neri di Landoccio, qui est connu pour être un poète assez réputé régionalement en Italie et qui a écrit des cantari religieux, notamment l'une d'entre elles, la légende de Saint Josaphat, est connue. Il fut l'un des plus fidèles disciples de Catherine de Sienne, sans doute son secrétaire préféré, non, elle en avait à vrai dire deux préférés, et son collaborateur. Neri di Landoccio a joué sûrement un rôle déterminant en fidélité à Catherine de Sienne et à sa pensée et à ce qu'elle voulait écrire, mais il a joué sûrement un rôle déterminant dans l'écriture de lettres, ainsi que dans cet autre corpus littéraire de Catherine de Sienne, qui est son livre, comme elle aimait l'appeler, mon livre, Le Dialogue, ou le livre des dialogues de Sainte Catherine de Sienne. Ce livre qu'elle a dicté aussi à ses secrétaires et qu'elle a confié au dominicain Raymond de Capoue pour, lui dit-elle, en faire ce qu'il penserait bon d'en faire. Voilà. La Neri di Landoccio a également traduit en langue vulgaire italienne de l'époque la légende majeure écrite par Raymond de Capoue, qui fut directeur spirituel de Catherine de Sienne et qui fut son biographe après sa mort. Il a écrit cette légende majeure en latin et elle a été traduite par Neri di Landoccio. Les positions d'Hildegarde de Bingen et celles de Catherine ne sont pas tout à fait les mêmes dans la société et dans l'Église de son temps. Hildegarde est une moniale, une abbesse, respectée, vénérée pour ses visions et sa sagesse. Catherine est une laïque qui a toujours vécu chez elle et dont on s'est méfié lorsqu'elle a commencé à prendre la parole. Son entourage pouvait la manipuler, ses initiatives pouvaient être ou pourraient être maladroites, car il s'agit bien chez Catherine de Sienne d'initiatives. Elle ne répond pas à des sollicitations. La plupart de ses lettres sont des initiatives qu'elle prend pour s'adresser à ses interlocuteurs. D'ailleurs, dans la correspondance de Catherine de Sienne, nous n'avons que 5 lettres adressées à elle. Dans la correspondance passive, ne contient que 5 lettres. Catherine de Sienne a été convoquée au chapitre général des frères prêcheurs à Florence en 1374, justement probablement parce que on s'étonnait de ses prises de parole. Et je crois que l'ordre dominicain a bien réussi à assumer, à soutenir, voire à prendre en charge ce charisme prophétique inédit et inattendu. Hildegarde et Catherine sont des prophètes et des prêcheresses en leur temps. Chez Catherine, une position de prophète, si vous voulez, peut être assez accentuée dans la mesure où, j'y reviendrai tout à l'heure, elle est toujours dans ses lettres en position d'autorité, comme par exemple quand elle s'adresse au pape Grégoire XI, elle nommait le pape souvent le Christ de la terre,
le Christ de la terre, et elle s'adresse en lui en lui faisant des reproches et des recommandations, et elle dit à un moment: je vous le dis à vous, Christ de la terre, de la part du Christ du ciel. Voilà, donc une position vraiment d'autorité, tout en étant dans toutes ses lettres à la fois assez en position assez autoritaire et très respectueuse de ceux à qui elle s'adresse et de leur fonction. Toutes les deux sont des visionnaires, mais alors que Hildegarde utilise ses visions dans ses ouvrages, bien sûr, et sa correspondance, Catherine, dont les visions sont très fréquentes, ne les utilise pas du tout dans sa correspondance. On les connaît, ces visions, parce qu'elles sont mentionnées par le bienheureux Raymond de Capoue dans sa biographie, dans la Légende majeure, mais elles relèvent de l'expérience personnelle d'union à Dieu. Elles sont, pour Catherine, elles ne sont pas, sauf exception l'une ou l'autre, des instruments ni de contemplation des mystères de Dieu à communiquer aux autres, ni des instruments d'enseignement, comme cela peut être, me semble-t-il, chez Hildegarde de Bingen, que je connais bien moins bien. Je passe à une deuxième partie de mon intervention pour décrire un petit peu plus l'épistolaire de Catherine de Sienne, le corpus épistolaire de Catherine de Sienne, et pour indiquer, comme information, qu'un début d'édition critique des lettres de Catherine de Sienne a été initié en 1940 par Eugenio Dupré Tessaeder. Mais cette édition restera partielle et parce qu'inachevée. Elle a été interrompue. Dans la préface au premier volume de ce début d'édition critique, les lettres de Catherine de Sienne étaient déjà qualifiées de monuments de la langue italienne. Monuments de la langue italienne. Une nouvelle édition critique a été mise en chantier il y a quelques années sous la houlette de l'Institut historique italien pour le Moyen Âge, avec la collaboration de la province romaine des Dominicains. Le volume introductif, qui présente le corpus, les manuscrits, etc., est paru en 2021, et le premier volume des lettres est paru l'année dernière, en 2023, un énorme volume contenant les lettres, les premières lettres éditées dans cette édition critique, qui sont classées par ordre de alphabétique des destinataires, parce que la plupart des lettres de Sainte Catherine ne sont pas datables. Ce chantier prend place dans un cadre général de renouveau d'intérêt pour l'œuvre de Catherine de Sienne. Je cite par exemple, pour l'ère française, la parution en 2015 de la monographie du professeur André Vaucher, Catherine de Sienne, vie et passion. En 2016, l'achèvement de la traduction intégrale en français des lettres de Catherine de Sienne par Madame Marilène Raiola, paru aux éditions du Cerf, en 7 volumes, 7 petits volumes en fonction des destinataires. Et avec le dialogue et les oraisons qui ont été traduits de l'italien en langue française par Lucien Portier une dizaine d'années auparavant, il serait possible de faire maintenant désormais un totum en français avec index et table des lettres de Catherine de Sienne. Je pense que ça sera fait dans les années qui viennent. La parution donc en 2023 de ce premier volume de l'édition critique des lettres, qui sont classées donc par ordre alphabétique des noms des destinataires, est vraiment un événement. À noter également que les lettres de Catherine de Sienne aux puissants ont été mises au programme des concours de l'agrégation et de l'équivalent du CAPES italien pour les années qui viennent, 2024-2025. Ça aussi, c'est un événement
une partie de l'épistolaire de Catherine de Sienne est au programme de l'agrégation en Italie. Donc le corpus comprend 386 lettres. On ne dispose que de 8 lettres originales. 6 d'entre elles, sur ces 8, ont été adressées au deuxième secrétaire de Catherine, Stefano Macconi, l'un de ses disciples les plus chers également, l'un des secrétaires les plus fréquents également de Sainte Catherine, et qui deviendra chartreux et qui sera même général des chartreux. 59 manuscrits ont été recensés, 4 d'entre eux contiennent plus de 200 lettres. 82% des lettres ne sont pas datables et 17% peuvent être datées. 1% sont datés dans la lettre elle-même. Voilà. Les lettres les plus fréquentes sont 15 lettres à son confesseur Raymond de Capoue, qui sont fort intéressantes également pour l'histoire de Catherine de Sienne, mais aussi l'histoire d'un rapport de direction spirituelle. 14 lettres à Grégoire XI, ensuite 11 lettres chaque fois à ces deux secrétaires nommés Neri di Lecchio et Stefano Macconi, 8 lettres à Urbain VI, 8 lettres au frère Bartolomeo Dominici Dominicain et 7 lettres à la reine de Naples. Après, on passe à 5 lettres. Voilà les lettres les plus nombreuses. Les collections de lettres ont commencé très vite après sa mort, par l'intermédiaire de ses disciples. Stefano Macconi, celui qui deviendra chartreux, dès 1398, 18 ans après la mort de Catherine de Sienne, a envoyé à Tommaso Caffarini, frère dominicain, le plus grand promoteur de la réputation de Catherine de Sienne et le plus grand diffuseur de ses écrits. Il envoie donc en 1398 deux manuscrits contenant des lettres de Catherine de Sienne, un manuscrit contenant les lettres à des religieux, 155 lettres, et un autre manuscrit, les lettres à des laïcs, 139 lettres. Troisième et dernière partie de mon intervention, la posture de Catherine de Sienne dans sa correspondance. Alors là, je vais relever 3 points. On pourrait en relever d'autres, mais ce qui est très frappant, c'est qu'elle écrive au pape, aux évêques, aux princes, aux politiques, ou bien à sa famille, à sa mère. On a plusieurs lettres à sa mère, à ses disciples, à son directeur spirituel. Catherine de Sienne est toujours dans la posture d'un maître spirituel. Ses lettres sont des lettres d'enseignement spirituel, soit d'enseignement sur le fond de la foi chrétienne ou sur un thème de la vie chrétienne, soit des lettres qui invitent l'interlocuteur à prendre ses responsabilités, les responsabilités qu'il a comme chrétien ou comme pape ou comme prince dans la société et dans l'Église de son temps. Toutes les lettres commencent de la même manière. « Au nom de Jésus crucifié, moi Catherine, esclave des serviteurs de Dieu, je vous écris avec le désir de... » Et ensuite vient l'objet de la lettre. Alors par exemple, à Grégoire XI, avec le désir de vous voir un arbre fertile qui donne en abondance des fruits délicieux parce qu'il est planté dans une terre féconde. Ou bien à un de ses disciples qui avait disparu de la circulation et dont elle se disait qu'il avait repris les frasques de sa vie dissolue. Elle lui écrit « Avec le désir de te ramener au bercail avec les autres compagnons. » Mais à d'autres, c'est
avec le désir de vous voir reconnaissant de tous les bienfaits que vous avez reçus de Dieu. Vous voyez, le thème de la lettre est donné. Ensuite, le développement de la lettre se passe avec quelquefois quelques sous-thèmes qui illustrent le développement. Mais cette adresse est reprise à la fin de la lettre comme une conclusion. Donc les lettres sont très, très bien construites. Cette adresse donne l'objet de la lettre, mais qui a souvent une application pratique et utile dans la vie de l'interlocuteur. Alors, les thèmes de ces lettres, c'est l'union au Christ. Les thèmes principaux, c'est l'union au Christ, le service de l'Église, et en particulier avec trois objets que l'on retrouve dans beaucoup de lettres de Catherine de Sienne pour le service de l'Église. C'est le souci de la paix, et à partir de 78, à partir du début du grand schisme, le désir de rétablir l'unité de l'Église, recherche de la paix, réforme de l'Église, et puis la question qui préoccupait pas mal de chrétiens à l'époque, la question d'une éventuelle croisade. Mais donc l'union au Christ, le service de l'Église, et puis beaucoup, beaucoup de lettres invitent les interlocuteurs à prendre leurs responsabilités de disciples du Christ dans l'accomplissement de leurs devoirs d'État. On peut noter, deuxième réflexion dans cette troisième partie, qu'il y a un véritable art oratoire chez Catherine de Sienne qui se caractérise par cette structure des lettres qui sont bien construites et qui sont logiques, cet art oratoire se caractérise par de nombreuses images simples que l'on peut retenir. Par exemple, elle parle du ver comme un ver de terre, hein, le ver de l'amour propre, le chien de la conscience, l'hameçon de l'amour, la sève de la patience, la clé de l'obéissance, la corde du désir qui nous permet de lier Dieu et que Dieu fasse notre volonté. Catherine de Sienne était autoritaire même vis-à-vis de Dieu. Le couteau à double tranchant de l'amour et de la haine. Voilà de très nombreuses images dont on pense que les interlocuteurs pouvaient retenir facilement. Les nombreuses allégories, l'une des plus célèbres est l'allégorie du Christ échelle ou du Christ pont pour relier la terre et le ciel. Et puis, des développements qui sont d'une logique simple et implacable. Un des traducteurs du dialogue de Catherine de Sienne et des lettres de Catherine de Sienne, Louis-Paul Guig, qui en a fait une édition au Seuil dans les années 50, parle de l'œuvre des œuvres de Catherine de Sienne comme un véritable traité, dit-il, je cite, de géométrie mystique, avec ses théorèmes et ses équations. Et c'est assez vrai qu'elle a des logiques extrêmement, comme presque mathématiques, dans ses développements, probablement parce qu'elle dictait elle n'avait pas eu de formation et qu'elle avait besoin elle-même d'être très logique pour développer sa pensée. Le troisième élément, et je terminerai par là, qui caractérise, je pense, l'épistolaire de Catherine de Sienne et sa posture, c'est, je l'ai intitulé « Une prêcheresse chez les prêcheurs », chez les frères prêcheurs. Très tôt dans la vie de Catherine de Sienne, qui petite fille aurait bien voulu être dominicain, il y a le souci de la prédication et du soutien de la prédication des frères dominicains. On peut penser qu'elle envisageait ce qu'on appelle sa familia, c'est-à-dire son groupe de disciples autour d'elle, et cette familia qu'on appelait aussi la belle brigade,
comme une brigade d'évangélisation et de prédication. Dans un ensemble de lettres, dit les lettres d'Asciano, parce qu'elles sont adressées à un frère dominicain qui prêche à Asciano et à des personnes d'Asciano. Asciano, c'est une bourgade à une trentaine de kilomètres, peut-être un peu moins, une vingtaine ou une trentaine de kilomètres de Sienne. Catherine de Sienne adresse un ensemble d'une quinzaine de lettres pour soutenir la prédication d'un frère dominicain habitant Sienne qui est envoyé à Asciano pour deux carêmes, semble-t-il. Catherine adresse cinq lettres au frère Bartolomeo Dominici, le prédicateur, pour lui dire ce que c'est que prêcher, à mots couverts mais quand même assez fermement, ce qu'il doit prêcher et comment il doit prêcher, c'est-à-dire la conduite qu'il doit adopter vis-à-vis notamment des fidèles laïcs pour qu'il leur fasse confiance dans sa prédication et qu'il les considère comme des interlocuteurs de qualité et non pas comme un peuple ignare à enseigner. Elle écrit ensuite à quelques laïcs de la paroisse d'Asciano pour les inviter à se convertir et à soutenir aussi le prédicateur. Et elle écrit, c'est là en plus où on voit vraiment qu'elle avait le désir de soutenir cette prédication, elle écrit au curé de la paroisse d'Asciano pour lui dire que comme pasteur de son peuple, il doit être le premier à se convertir et être le modèle du troupeau. Donc, aux prédicateurs, ce qu'il doit prêcher et comment, aux auditeurs, ce qu'ils doivent entendre et faire, et au curé, qu'il doit donner sa vie, comme le Christ, pour ses brebis. Voilà Catherine de Sienne, voilà le type de posture. Je termine avec une petite conclusion, qui n'en est pas une. La parution de l'édition critique des lettres de Catherine de Sienne est un événement parce que je pense que les études sur ce corpus ne manqueront pas de nous révéler d'autres aspects de la personnalité, de sa personnalité, en la sortant de la géographie centrée surtout sur la mystique, qui l'a éloignée du commun des mortels, sauf de ses fans, de ceux qui l'ont connue, car ses disciples étaient vraiment très très attachés à ce qu'ils appelaient leur mamma, c'est-à-dire celle qui les avait enfantés la vie, à l'évangile et à la vie chrétienne. Je pense que vont apparaître la vraie personnalité et la vraie dimension de cette femme qui, comme Hildegarde de Bingen, mais très différemment aussi, ont à la fois marqué leur temps par la vigueur de leurs paroles et par leur perspicacité sur la situation de l'Église et des communautés autour d'elle, et qui peuvent grandement, me semble-t-il, éclairer notre temps. Merci beaucoup.